هاي نيل راول كنابي دكوانديو دي وين خبيهم ودات دكاناني من هذه زي ووي دارن نيو دارو سي 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 ميل ويوك نودي واحد ما كمان يوتنام هيكو نيو هم قدي من هذه زي ميسي وان توي مازيان ما كتزي او هوي تمازيان اي مزي سي 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 هو وي دارن زن صار مازين زي دكوا ودار سل زي مينارنو مساي هم زي دوي ووي دانو دي واحد Ni luar sama tak cukup lo. Ek happy sih takun tapi kan, jadi pas tenggel tapi kan, jadi ini tau mukweh nauswen ilu kakses la semaine prochaine. Ek guna tu tadi kan tapi kan, jadi ini mana nonton deh le BAP ini kat dia, le Bureau des audiences publiques en environnement. Et oui, là, minat payo, que ça belle dot, de zimel huit dot, c'est wallon et oise de madat, n'zen, minarno. D'chouem, gaïsouyan, il l'eau, d'chouem, que ou de hek, kakse hello, de ou de nat, que notum de waha, de waha, notum, ni l'eau, de zi huit dot, ouai, he's de madat. N'en gaïsouyan, dish, elle disait pour de mastel, de besnadou dimono, er gambel, ou dit mon nom, Max, que ce nom nous dit mon nom, c'est le BAP qui est là. Et oui, mais lui, tu m'as dit, tu n'as pas de date ou de ce nom. A bout de ce second, tu as dit, 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 Mak tu si, kisah mungkin orang tu begini, nai tu si, kau kau semua yuk, kebaya orang tu si pas nampak stimono. Mak melayan ini ni, tu suat nelayan, mana ini, mesti orang tu mak lelu setiap, inu setiap, mesti dia dah guna, mau bidan orang ni, mau beli orang ni, ni hehegan, tu tam si 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 setakat ni 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 monisan ot, deh nanti, kantong arnu ini ada wa. Aïe, hé, hé, gan, bout, qui choisit le lot, c'est parce que nous, 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 Jadi orang di internet, orang betul muzik ni, lalu kalau ibet, tak ada jadi tu kandu deh. Jadi betul ni, jadi pas nak ni iman. Hei, cuma mel temek, pudiaga mel temek ni jadi nak untuk dahus. Merci Raoul. Alors bonsoir, mon nom est François Biron, je suis le directeur du projet minier de la société Minarno. Et ce soir, la soirée est réservée aux gens de la communauté. Nous venons présenter le projet aux gens de la communauté de façon à ce qu'on puisse avoir un échange par vos questions par la suite, de façon à vous renseigner sur le projet concerné. Donc ce soir, c'est une présentation qui a déjà été faite au mois de février dernier. On revient la faire encore une fois pour être en mesure de transmettre l'information au le plus de gens possible de la communauté Ouachat, Maniutenam également. Donc ce soir, c'est votre soirée. Et ceux qui sont déjà présents sur le web, je les salue. Et comme ils ne pourront pas poser de questions directement à moi ce soir, je vous invite à le faire via notre site web où il est possible d'adresser des questions. Alors, sans plus tarder, ce soir, on a une présentation visuelle qui va durer environ une trentaine de minutes. Et par la suite, la soirée est réservée aux questions provenant des gens de la communauté. Alors, ce soir, c'est l'occasion justement de vous informer et de vous renseigner sur le projet. Alors, le contenu de la présentation, on va voir qui est Minarno. On va voir aussi les principales mesures d'atténuation concernant l'eau, l'air, le bruit, les vibrations et également concernant les emplois au niveau de la communauté et les avantages. Qu'est-ce que la communauté va en retirer du projet? Excusez-moi, je vais me mettre ici. Alors, Minarno, qu'est-ce que c'est Minarno? Tout d'abord, c'est une société qui est privée, formée de deux actionnaires,
dont Yara International, une société norvégienne qui est spécialisée dans la fabrication des engrais, et Investissement Québec, qui est la filiale du gouvernement du Québec au niveau de la promotion des investissements industriels. Alors, un peu d'historique, si on retourne en arrière, d'où vient le projet, d'où est l'origine et la source de ce projet. Tout d'abord, c'est une découverte qui a été faite par Sokem en 1994 sur le territoire ici de la municipalité de Sept-Îles. Et par la suite, en 1995, il y a déjà eu une première entente avec Norsk Hydro, qui est devenue par la suite Yara International, qui est la même société, mais elle s'est scindée en fractionnée en deux parties. Et par la suite, il y a eu des études à partir des années 96 jusqu'en 2009, diverses campagnes de forage, diverses études technico-économiques aussi sur l'exploitation éventuelle du gisement. Malheureusement, il n'y a pas eu de projet qui a levé durant cette période-là, puisqu'à l'époque, il y avait deux produits qui étaient visés au niveau de la commercialisation. Il y avait l'apatite, qui est le minéral phosphaté, et il y avait aussi la magnétite titanifère, dont on voulait en retirer l'ilménite. Donc, je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Et par la suite, à partir de 2010 jusqu'à maintenant, le projet a été repris. On a revu toute l'information qui avait été accumulée sur le dossier pour en faire un projet uniquement basé et axé sur l'exploitation de l'apatite. L'apatite, c'est le minéral phosphaté qui va servir à la fabrication des engrais. Donc, l'apatite, justement, c'est le minéral qui est recherché ici dans la région de Sept-Îles. C'est constitué de phosphate et, justement, la demande pour ces produits-là est de plus en plus croissante. Et la valeur au cours des cinq dernières années a pratiquement triplé au point de vue commercial. Comme je vous le disais tout à l'heure, la magnétite titanifère, c'est un autre sous-produit qui est associé directement au dépôt ou d'apatite. Donc, en retirant un produit, on retire automatiquement le deuxième. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on se concentre pour récupérer l'apatite et la magnétite va être tout simplement entreposée sur le site comme sous-produit. Alors voilà pour la courte présentation qui donne un aperçu général et global du projet. Donc, il y a encore de la place pour les gens qui voudraient se rapprocher. Ça va? OK. Donc, comme on vous l'a expliqué, je reviens sur quelques éléments présentés dans le petit vidéo. Donc, au niveau de la localisation, le projet est situé dans le fond de la baie de Sept-Îles. On retrouve d'un côté la communauté de Ouachat et de Sept-Îles, et de l'autre côté, Alouette et Pointe-Noire. Donc, on est vraiment enclavé ici entre le corridor des lignes Hydro-Québec et la route 138. C'est là que le dépôt ou les roches qui ont une valeur économique en apatite se retrouvent. Donc, c'est ainsi que le site d'exploitation va avoir lieu au niveau de la fosse. Et nous avons localisé l'ensemble des infrastructures au nord des lignes hydroélectriques, soit le complexe minier, les haldes où on va accumuler la roche stérile, la roche qui ne contient pas l'apatite ou le magnétite titanifère, ainsi que les résidus du procédé de traitement qui vont s'accumuler ici au niveau du parc à résidus. Donc, on a vu qu'au niveau des infrastructures, il y a plusieurs infrastructures disponibles. Autour du site, il y a l'électricité. On retrouve de l'eau sur le site. L'eau qu'on va utiliser également pour le procédé va provenir du site, ne proviendra pas de d'autres sources extérieures. Elle va être traitée et recirculée. Donc, tout le concept du projet réside là, sur le site actuel. Une vue en grand plan de ce que je vous ai mentionné au niveau du parc à résidus, la relocalisation du chemin de fer, la route 138, et ici, on retrouve la fosse, à laquelle aussi on va ajouter ce qu'on appelle une butte écran. Donc, tout le matériel qui va être retiré pour mise à jour le roc, soit le sable, le gravier ou certaines couches d'argile, on va l'accumuler ici en avant et on va le revégéter de façon à faire un écran visuel et un écran sonore pour réduire les impacts du projet. Rapidement, le complexe minier, on va retrouver les principales infrastructures que vous noterez, elles sont toutes fermées. Donc, pour vous référer, j'ai mis une échelle ici où on peut retrouver quelque chose de similaire à 12.7, un camion
qui roule à 50 km/h sur une route et qui frappe une bosse va générer une vibration de 15,7 mm secondes. Un autobus, par exemple, qui roule à 25 km/h va générer 11,2 et ainsi de suite. Donc, ça vous donne une idée à peu près des normes de vibration auxquelles on va respecter. Et pour y arriver aussi, il y a toute une série de mesures en place là, qui vont être faites. Par exemple, lorsque les nuages vont être trop bas, on va retarder notre dynamitage au lendemain de façon à éviter des surpressions d'air qu'on appelle. Et on va installer aussi un programme de surveillance et de suivi pour s'assurer que ce qu'on a indiqué ici au niveau des vibrations va être respecté. Au niveau du bruit, c'est la même chose. On a mesuré le bruit qui se trouve actuellement près du site. Donc, le bruit qui a été mesuré et qui indique les normes à respecter, c'est 49 décibels le jour et 42 décibels la nuit. Et pour la période de construction, ce qu'on observe, c'est la norme est de 55 décibels. Nous, ce qui a été évalué, c'est qu'on va être capable de rencontrer 52 décibels pour la période de construction. Pour vous donner une idée de quoi ça représente, une conversation normale avec trois ou quatre personnes, on parle de 60 décibels. Donc, les principales sources d'impact sont le transport du minerai ou du stérile par camion. C'est une source importante. Et comme mesure d'atténuation, ce qui a été fait, c'est qu'on va s'assurer d'avoir un arrosage continu de nos routes. Une deuxième source, c'est l'érosion des piles de stockage, soit au niveau du stérile ou des parcs à résidus. Et lorsqu'on manipule également la roche, c'est une autre source potentielle. Donc, les mesures d'atténuation, c'est de réduire à la source. C'est de réduire dès qu'il y a une génération de poussière, c'est d'intervenir pour limiter sa propagation. Tout le site, tous nos systèmes vont être en système fermé, donc pas exposé à l'environnement. Et également, on va instaurer des programmes de suivi et de surveillance, soit des stations d'échantillonnage d'air, pour mesurer la qualité de l'air en périphérie du site. Et pour la période d'opération pendant 23 ans, on parle de retombées annuelles de 140 millions, dont les retombées régionales sont évaluées à 90 millions. 330 emplois directs, qui sont des emplois locaux régionaux ici dans la région de Sept-Îles, et 425 emplois indirects chez les fournisseurs ou les sous-traitants. Alors, Minarno, c'est une jeune société et qui repose sur des principes et des valeurs. Donc, ce qu'on recherche, nous, principalement, c'est d'avoir des employés dont le respect est important pour eux. Donc, l'équipe en place actuellement, ce sont des valeurs que tout le monde apprécie et respecte. Également, on veut favoriser un milieu de travail qui est convivial, promouvoir la santé et la sécurité au sein de nos opérations, protéger l'environnement et aussi le respect de l'éthique et de l'intégrité à tous les niveaux. Alors, au niveau perspective, pour la communauté Innu spécifiquement, il y a des avantages pour les entreprises Innu, soit qui vont avoir des contrats ou fournir des biens et services au projet. Il va y avoir aussi le développement de nouvelles expertises, l'acquisition de connaissances pour justement avoir du personnel qui est bien formé et qui va répondre à nos besoins. Tous les postes chez Minarno sont offerts à la communauté. Alors, à partir du directeur général en descendant, tous les postes sont offerts aux gens de la communauté, comme à l'ensemble des gens de la communauté de Sept-Îles. Donc, on est conscient que c'est sûr qu'on ne pourra pas recruter tout le monde seulement dans la communauté. Le bassin ne pourrait pas permettre de répondre à une telle demande. Par contre, ce qu'on mise, c'est l'accent sur la formation. Et la formation, c'est important pour nous. C'est important aussi de former des gens qui vont être capables d'assumer des postes à l'emploi de Minarno à tous les niveaux. Et la formation doit commencer justement avant que les besoins au niveau des opérations arrivent. Donc, il faut commencer au moins un an à deux ans avant pour que les gens puissent s'inscrire dans les programmes, avoir la formation ou aller chercher les équivalents qu'ils ont besoin de façon à occuper les postes. Et ça, c'est pour tous les postes qu'on va offrir. Alors, les gens qui vont avoir de l'expérience vont aussi avoir un programme de formation à suivre de façon à se qualifier
à nos normes, à nos spécifications et aussi à la technologie que nous allons utiliser au sein de nos opérations. Donc, au niveau de l'intégration, les besoins, il y a des besoins au niveau de la communauté. Il y a un besoin également à combler chez Minarno. Donc, on va travailler à s'assurer avec les programmes de formation pour s'assurer d'un arrimage de ce côté-là. Et en plus, on va également créer un poste au sein de Minarno qu'on appelle coordonnateur Innu, qui lui facilite le travail, en fait, l'intégration au sein des deux communautés. Donc, autant pour la communauté qui ne connaît pas la culture Innu, il va y avoir aussi des cours de données sur la culture Innu à ces gens-là, de façon à avoir une harmonie au travail entre les deux communautés. Donc, qu'est-ce qui arrive au niveau du calendrier de développement? Bien évidemment, la prochaine étape, c'est la semaine prochaine avec les audiences publiques du BAP. Et par la suite, se poursuit l'analyse également du ministère de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. Par la suite, une fois que le rapport du BAP va être prêt, ça va être à la fin de l'année 2013, il va être remis au ministre. Et par la suite, le processus au niveau de l'obtention des autorisations va se faire au cours de 2014. Et on prévoit que les permis pourront être émis une fois que tout le processus va être complété, toutes les étapes vont être complétées, soit à l'été ou à l'automne 2014. Et on pourra débuter seulement à ce moment-là la construction du projet, pas avant. Donc, en conclusion, le projet Minarno, c'est un projet qui intègre aussi les 16 principes du développement durable. C'est un engagement que nous avons pris d'appliquer les plus hauts standards de l'industrie. Également, le respect de la santé et de la qualité de vie des citoyens nous tient à cœur. C'est pour ça qu'il y a plusieurs mesures qui sont prises à ce niveau-là, autant pour les employés que pour les gens de la communauté. On veut utiliser des pratiques qui sont responsables et innovantes dès la conception du projet. Donc, avoir une mine qui est moderne, avoir une mine qui utilise les meilleures technologies aussi à ce niveau-là. On met l'accent aussi sur la revégétation progressive. Donc, dès que on a un secteur qui est terminé, on veut le revégéter de façon à réduire encore une fois les possibilités d'émissions de poussière. Et on veut s'assurer d'une collaboration également à l'analyse du projet avec le Bureau de la protection des droits et du territoire de la communauté de Ouachat Maliotena. Alors voilà en gros les principaux éléments du projet. Et je vais peut-être céder la parole à mon ami Raoul. Et par la suite, avoir la période de questions. Ne pi gabeten, kenelo ne pi lo mis tiagwaz gado dumet, ne pi gai abetet tizi ni garen ne 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 hni, kaus si abstagen.
Ek loop wel pot ni bindo. Ce que dit quand on libel dano, ce comme histoire mo. Kenne les de hinogat ni de de dano, ça ce que ga to anon si han, ça ce que ça dano ni si. Ti ga no gat ni, no tam ni ce que ce que no gat anon, ça ti me lo hat. Ek ni ni lo punta se fes se sta ganda, na sam da ham lo a hon slo. Ti ta nta se un. Pi ga sin de he. Mais quand on dit au mec ce que tu as dit c'est un neolo à hou ni loho det qui del dagon et quand on a nanuta ni hepon loche pe chem da hamlo i fish dans ce que tu ne gat sehet et un mastel ni ou dimon ga besnek au bi de moment dans de higastogot dans les restaurants ils l'ont tout des voix à nommer du tenam ici même la station des restaurants quoi ce soit 6 minutes soit 6 minutes quand je remonte tête ce qui n'a l'eau pour te dire moustan dosi n'a cette sédante est ce non ni l'eau pour la hundes mais quand je demande dosa ce que je demande autre qui dans les des cette set oui ou dans les mais quand je vois ma donne et calouse et fait qu'on j'en autre notre niveau brillant non c'est hier double dagen ni notre même c'est nanot à bout de nuit et sur une nanot à 2 kilomètres ni chone ni et au dagen là harigne tout ça mais quand ben notre même cause comme le dagen qu'est-ce qu'il a l'obsi immunisant taban des gisté à bout de celle dans des abdettes à bout de celle dans des abdettes ni c'est l'obel ni ni et on est hier gan ni vous dit miam que sur nous dit ça qu'il a tout quand gaz bal danot oui parce que mec si mon ok mais oui quoi vous mec vous mon qui mec ou bagnem là regardez tantôt je sais pas quand tu parlais de vibration moi j'ai toujours j'ai toujours appris que on mesurait les vibrations sous forme d'accélération tantôt j'ai vu comme des unités de vitesse c'est-tu une erreur ou c'est la nouvelle façon de faire. Donc, la mesure des vibrations se fait en millimètres secondes. Donc, c'est une vitesse de déplacement des vibrations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous voulez prendre le micro. Quel est le marché de l'apatite au niveau mondial, tout ça? Je sais que vous allez transporter le minerai en Norvège, mais après ça, où s'en va le produit fini, en fin de compte? Alors, le produit qui va quitter cette île va se ramasser dans des usines en Europe qui sont contrôlées par Yara. Le produit va être transformé avec des acides pour retirer ou purifier, encore une fois, l'apatite pour l'amener à un niveau de pureté de 99%, qui va être le phosphore. Ce phosphore-là va être utilisé avec d'autres ingrédients pour créer ce qu'on appelle l'engrais, un engrais minéral qui contient de l'azote et qui contient aussi du potassium. Donc, lorsqu'on veut fertiliser un champ agricole, on utilise ces trois éléments-là qui vont favoriser les croissances des plantes et obtenir des meilleurs rendements, soit pour le maïs, le blé, l'orge ou les céréales requises pour l'alimentation des animaux ou l'alimentation humaine. Madame demande si maintenant on a fait des présentations au mois de mars, puis ce soir, puis au tout début du projet. Madame demande s'il y a eu des consultations auprès des Innu sur le projet. Alors, le projet, comme je l'ai mentionné, a repris de l'ampleur en 2010. Et dès l'automne 2010, il y a eu des représentations auprès de la communauté Ouachat-Maniotenam, auprès du conseil de bande à ce moment-là. Et les premières rencontres publiques avec la communauté ont eu lieu le 27 et 28 février 2012. Ça appartient pas à une autre Wagon, là, si notre vie, là. C'est pas à une autre Wagon, ça, là.
Donc, Mme Jourdain, il y a eu des activités qui ont été réalisées dès 2011-2012 aussi pour l'ensemble de la communauté. Les gens ont tous été invités à participer, entre autres, à des journées portes ouvertes à l'automne 2012 aux galeries, pour galeries, aux Place de Ville. Donc, les gens de la communauté, j'ai vu des gens de la communauté circuler, venir voir nos kiosques et participer aux activités. Donc, l'invitation a toujours été faite aux deux communautés. Et vous brisez nos territoires, vous brisez nos enfants. Moi, on y voit malade, nos enfants handicapés. Ça, je ne voulais pas vous faire la mine ici. J'ai une pétition ici. Le projet n'a pas d'impact sur la santé publique. Donc, ce que vous dites au niveau des maladies ou qui pourraient être causées par le projet, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas d'exposition. Pour être malade, il faut respirer une substance. Il faut être exposé à une substance. Alors, dans le cas de Minarneau, la qualité de l'air est maintenue, elle est préservée. Puis j'ai vu les argents qu'on a montré, 90 millions de retombées économiques régionales. C'est bien ça. Donc, quand vous dites régional, est-ce que le 90 millions, est-ce qu'il y a des redevances qui vont aller à la communauté Innu? Est-ce qu'il y a des ententes signées avec le conseil de bande? Vous êtes en pour parler avec le conseil de bande. Est-ce que le conseil de bande est consentant à ce que Minarneau soit opérationnel? Alors, pour vous, vous informer à ce niveau-là, il n'y a pas de négociation encore d'entreprise avec le conseil de bande pour arriver à une entente. Il y a seulement des discussions sur la connaissance du projet et des échanges que l'on fait pour informer justement le nouveau conseil concernant le projet. Les audiences publiques vont avoir lieu la semaine prochaine et avec cette étape-là de réaliser, le conseil va avoir acquis de nouvelles connaissances et par la suite, s'il juge de commencer les négociations avec nous pour une entente, à ce moment-là, ça pourra débuter. Combien de pourcentage qu'il va y avoir d'emplois directs pour les Autochtones de la communauté? Puis sur le 90 millions régional, quelles sont les retombées économiques pour notre communauté? Ouais, tout ça, c'est interrelié au niveau des emplois, au niveau des retombées. Donc, dans les retombées économiques, il y a des salaires. Donc, plus il va y avoir d'employés qui vont provenir de la communauté Innu, il va y avoir plus de retombées directes. Et il va y avoir des retombées aussi au niveau des entreprises, également, qui vont offrir des biens et services à Minarneau. Je vous souligne ici la différence entre les autres projets que vous avez mentionnés. Le projet du lac Bloom, c'est un projet basé sur le fly-in, fly-out. Donc, on amène des gens pendant une période de 16 jours, 14 jours, 21 jours. Ensuite, ils repartent pour une période de congé, puis ils reviennent. Bon, deuxième question. Quand vous parlez dans les mesures d'atténuation au niveau de qualité de l'air, quand vous parlez que les conditions météorologiques vont être prises en compte, puis que dans certains cas, il est possible le ralentissement des opérations ou leur arrêt temporaire. Donc, je voudrais savoir au niveau concret comment ça fonctionne au niveau de ressources humaines. Est-ce que c'est une secrétaire qui regarde la météo à 5 heures du matin, puis ensuite elle rappelle les gars une par une, « Alors les gars, ce matin, vous restez chez vous. » Comment ça fonctionne au niveau de syndicat, au niveau de salaire pour les jours ainsi suspendus ou manqués? S'il y a un constat que ça prend un ralentissement de production, donc quelle est la procédure pour l'évaluer, quelle est la vitesse de prise de décision sur la base régulière, jour après jour, pour voir bon, quels sont les travailleurs qui vont rentrer travailler cette journée-là, puis qu'ils vont rester à la maison. Puis, existe-t-il un plan de gestion des ressources humaines à cet égard? Oui, madame, nous avons un plan au niveau de la gestion des ressources humaines ainsi que la gestion au niveau de la qualité de l'air. Donc, écoute, le blocus, c'est des situations, on l'a vu l'an passé, c'est des situations extrêmes. OK? Ce que je retiens d'un blocus, puis il y en a eu trois l'année passée, c'est que la communauté a des difficultés, a des problèmes. Et elle s'exprime via un blocus pour passer son message. C'est ça que ça veut dire. Mais vous ne l'avez pas compris encore, vous faites de l'exploitation. Vous ne l'avez pas compris. Si on a des problèmes, c'est à cause de vous, là. On n'est pas encore là, madame. On n'est pas encore là. On est ici ce soir pour vous parler d'un projet, mais on n'est pas en opération.
pour en venir à la question de monsieur, là, tantôt vous parliez là, que vous allez devoir négocier avec le conseil de banque. Sur quelle base? Qu'est-ce qui vous oblige à négocier? Il n'y a pas de base spécifique. Il n'y a pas de règlement qui impose une société à négocier avec une communauté inoue. Mais pourquoi vous allez le faire? C'est par respect pour la communauté, madame. Uniquement. Mais si la communauté vous dit non? Ah, à ce moment-là, on verra. Mais la communauté, à date, ne dit pas non. Elle continue le maintien du dialogue. Le conseil, peut-être, mais pas la communauté. On verra. On est ici, là, c'est la communauté. Monsieur vient de la communauté. Puis il y a d'autres personnes qui sont de la communauté. Oui, c'est deux personnes. Mais la communauté, c'est pas seulement deux personnes. Il y a d'autres personnes. Et tout ça, vous avez élu des représentants qui vont vous représenter. Si vous allez négocier avec le conseil de banque, c'est-tu pour obtenir le consentement de la communauté? Nous, c'est surtout pour avoir une entente avec de type répercussion avantage avec vos représentants de la communauté. Okay. Et la communauté. Là, on parle de nos droits ancestraux. Là. Puis mes droits ancestraux ils appartiennent pas au conseil de bande. Les droits ancestraux de monsieur n'appartiennent pas au conseil de bande. Les pratiques culturelles font partie de nos droits ancestraux. Puis ça, là, vous allez devoir obtenir notre consentement. Puis c'est pas respect, vous dites, là, vous allez devoir respecter nos droits ancestraux. Si la communauté dit non, venez pas nous lancer d'autres miroirs cassés, là. Les activités ou pratiques traditionnelles ou la culture traditionnelle inoue va être respectée. On n'a rien à vous changer de ce qu'on a. Le seul héritage que ma mère, là, elle m'a amené faire de la cueillette avant de mourir. Puis vous allez tout faire du déboisement puis creuser un gros trou. Là, c'est la seule place où j'aurais appris une connaissance culturelle de ma mère. Évidemment, ça fait partie de mes droits ancestraux. C'est mes pratiques culturelles. Vous bafouez ça. Ça ne sera pas perdu, madame. Ça va persister. Et il y a d'autres endroits aussi pour la cueillette des petits fruits, autres que sur le projet Minamo. Je comprends, monsieur. Alors, c'est la connaissance que ma mère m'aurait transmise. C'est la connaissance. Ça, je l'aurais hérité. Vous allez le détruire, là? Non. C'est les emplacements où mes parents ont piétiné. Vous allez détruire ça? Vous allez creuser un gros trou, là? Ça vous appartient, madame, la connaissance que vous avez acquise. Bien sûr, ça m'appartient, puis je veux défendre ça. Et que vous allez transmettre. J'ai le droit. D'autres. Donc, ça se transmet à d'autres et ben, vous allez utiliser d'autres. Laissez le territoire intact, puis je vais le transmettre à mes enfants. Le territoire va vous permettre de continuer vos activités, la transmission de vos activités traditionnelles. Je ne pense pas. Combien d'eau va s'écouler en dessous du parc de résidus sur une base journalière? Là? Combien qu'on vous estimez d'eau? Vous allez récupérer l'eau de surface avec les calvettes, là, mais en dessous des 20 km² de résidus, combien d'eau va percoler dans le sol? À ce que je sache, il n'y a pas de couche imperméable en dessous de ça. Il n'y a pas de toile en dessous des résidus. Comme je vous ai mentionné, le parc à résidus, une fois terminé, va avoir cette ampleur-là. 20 km². Il y a une cellule à la fois où il va avoir de l'eau dedans. Les autres cellules ne contiendront pas d'eau. J'étais partout même. J'ai voyagé. J'ai fait arrêter l'uranium à. C'est l'écrit, j'ai arrêté l'uranium. J'ai donné la fac l'écrit. Je vois partout. Le monde, il me voit à la vedette. J'amène partout même mon tombeau. Moi, j'ai des affaires spirituelles. C'est ça, il faut que tu respectes les affaires spirituelles. C'est ça, les Indiens, ils font de la spiritualité. Tu vas briser la spiritualité, peut-être. C'est ça que tu veux faire. Pas d'accord. Oui, je vais juste rajouter quelque chose. Là. Je vais parler en Inou, puis je vais m'adresser à Jen, le site web que nous avons Jen. Wa patnon resendin mishwat jen karata bretut jen wa hogaksehat
Karata bwita tsu chip mbannat nenot tsu no we kawi monai chit minar no cha chu tosh noten dish tsu sina chu avat nita wut kalu chu avat nita wut kisnu ga inan do avat chit ish pishka manwat ne ne wat utak we minar no matwat tiput Facebook nak mahadina ji tan ish pish ta ta pain mak tan chu chi shuk chu tosh nata wuchen Deutende war auch auf sehr hat gat aber det nino chichi to danet no das so no mag konren kulen mut mehegen kulen mut chigna chit mag no chwano mag wet gat aber det wino chichi to danet das so chu de padet no chichi na chon det mit mag chichi na chu ko kwe chichi mye chwano wet gat aber det Kemit et chef de pété d'Arapon, Kaim Nanot, Radio Canada, Dornish, Ndush, Dwan Katta, Obstruyo, Dornish, Snoraj Dabma, Dornish, Obstruyacha, Widomoven, Kevin, Ka, Kauten, Mnona, Rundachit, Dutanet, Notestono. Tu n'as pas Denise, Roger, tu n'as pas bien, Marc, merci. Sans mettre officiellement fin à cette rencontre, vous pouvez venir jaser encore avec M. Biron ici en avant. Nous avons dit que 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 nous Gordon Monsilo. Oui, Pivan Monsilo, un gros note, Henny, Monsieur Codewin et Dudagan. Et vous n'avez pas de manière de manier, c'est mille ou not bien, c'est mille ou not, c'est zimiok. Qui a boudé, c'est fort de moc, ni what fort de moc, et tabou de mec, pour dire tabou de mec. Alors, pour les gens à la maison, merci beaucoup de votre présence ce soir. Et comme je vous le dis, à la prochaine fois, j'espère bien.